Viens avec nous, Eric. Viens partager les microbes. Ok. Alors, c'est un culte un peu spécial. On va vivre un moment que personne d'entre nous n'a déjà vécu. Donc, c'est vraiment... Venez, on fait un cercle aujourd'hui, mais si vous voulez rester en périphérie, il faut se rapprocher un petit peu. Il y a encore des places dans le cercle. Voilà, ça chamboule un peu toutes nos habitudes. C'est vrai. Voilà. La grâce et la paix vous sont données de là par amour, de la part de Dieu notre Père, par la venue de Jésus-Christ parmi nous. Alors ce dimanche, c'est encore une joie de partager un temps ensemble, ce troisième culte de l'Avent. Culte qu'on peut nommer culte de la réjouissance. Et ça va être un peu spécial, comme ça a été annoncé. Ce sera un culte un chouïa plus court, vraiment beaucoup plus court, et avec l'occasion pour chacun de mettre la main à la pâte pour décorer notre temple, passer du temps ensemble avec quelques chants de Noël qui vont nous accompagner. Alors, le dimanche de l'Avent, il y a toujours l'allumage des bougies. Alors je vais demander à ce qu'il y ait un enfant par famille. Pour William, c'est facile, il est tout seul. Il va falloir que chez Amaury et Laura, chez Nathan, Noah et Elijah, un de vous trois vienne allumer une des bougies. William, tu peux commencer par... Pourquoi tu veux bien allumer une bougie? Ça va aller avec les allumettes? La première bougie, elle représente le pardon. Tu peux allumer celle qui est plus petite, William. Hein, on dit souvent que cette bougie symbolise Adam et Ève. Voilà, tu peux souffler. Souffle. Et pas sur la bougie. Super. Merci, William. Alors, la deuxième bougie, elle représente la foi. Et elle symbolise souvent la foi d'Abraham. La troisième, celle que nous allumons pour la première fois cette année, c'est celle qui représente la joie. Et c'est le personnage de David qu'on représente généralement. Et David, comme nous le savons, je l'espère tous, est connu pour être un grand roi d'Israël. Mais il est aussi très connu parce qu'il a écrit de nombreux chants, de nombreux textes qu'on chante aujourd'hui. Il a composé, il a chanté et il a dansé. Et je vais vous inviter ce matin à d'abord à la lecture du psaume 3, où on peut lire « Offrez des sacrifices de justice et mettez votre confiance dans le Seigneur. » Beaucoup disent « Qui nous fera voir le bonheur ? » Fais lever sur nous la lumière de ta face, Seigneur. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent le froment et le vin. Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Alors à la suite de David, avec cette troisième bougie, je vous propose de chanter un premier cantique, un chant de joie, un cantique qui, à mon avis, n'est pas trop connu, voire pas connu du tout, et c'est pour ça qu'on va le chanter deux fois, pour être sûr que ça rentre bien. Si vous avez envie de vous lever, pas devant la caméra, c'est super, mais vous pouvez aussi rester assis pour chanter ce chant « Je suis dans la joie ». Il y a aussi le mot, il s'appelle aussi « Papa Yahweh ». Alors Yahweh, c'est un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament. Et on va se permettre de le prononcer. Je chanterai de tout cœur les merveilleux, mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux, mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon
fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Depuis le début, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je vous invite à un tout petit temps, ou un temps plutôt, de prière ensemble. Et si vous avez aussi envie de prier à voix haute, sentez-vous libre. Seigneur, quelle joie d'être ensemble, quelle joie de pouvoir partager ensemble, en famille, parce que c'est par la venue de ton Fils que tu nous accueilles comme tes enfants et qui fait de nous des frères et des sœurs. Quelle joie de préparer ensemble et de nous préparer ensemble, pardon, à nous souvenir de ta venue. Sois béni, Seigneur. Amen. Quelle joie d'aujourd'hui encore pouvoir chanter avec les anges. Je vous propose de faire tourner le panier de l'offrande. Alors ce sera un quatrième enfant. Mathieu, tu veux bien faire tourner le panier de l'offrande pendant le cantique qu'on va chanter. Le chant suivant, les anges dans nos campagnes. Ne te dépêche pas maintenant.
J'ai invité Mathieu à venir nous raconter une histoire qu'il a choisie lui-même. Paul rentre de l'école en marchant lentement, tête baissée. Une neige boueuse recouvre le trottoir. Des cordes de pluie viennent s'écraser sous les phares des voitures. Cette soirée de décembre est triste, comme le cœur de Paul. Aujourd'hui, tout s'est mal passé. Au réveil, il s'est fâché contre sa maman. Ensuite, il a eu 0 au contrôle de maths. Enfin, il s'est brouillé avec Olivier, son meilleur ami. Il y a des jours où... Paul a parlé tout haut sans s'en apercevoir. Derrière lui, quelqu'un l'a entendu. Paul se retourne et examine l'inconnu. Mis en confiance par son regard étrangement lumineux, il poursuit. Il y a des jours où j'aimerais ne pas exister. D'ailleurs, personne ne me regretterait. Tu crois ? Demande l'inconnu en souriant. Je vais te faire jouer à un jeu. Imagine que tu n'aies jamais existé. Paul est arrivé à la maison. Sur le seuil de la porte ouverte, le voilà qui s'étonne. Où sont les décorations de Noël ? Qu'est devenu le sapin ? Paul jette un œil vers le salon et y aperçoit sa maman en compagnie de Madame Morel, la mère d'Olivier. Le beau visage de maman est fatigué par le chagrin et semble soudain très vieux. « Cher ami, dit Madame Morel, vous devriez faire une crèche. Des chantons, c'est une telle joie dans la maison. »« Une joie pour qui ? Soupire la mère de Paul. Je n'ai pas pu avoir d'enfant. Avec ou sans crèche, ma maison ne peut pas connaître le bonheur. Mais parlons de vous. Comment va votre fils Olivier ? Madame Morel répond d'une voix soucieuse. Il n'a pas d'amis et cela le rend tellement triste. Je suis très inquiète pour lui. Les yeux écarquillés, Paul essaye de comprendre. Il se tourne vers l'inconnu qui l'a suivi. Le mystérieux étranger regarde une vieille dame qui parle avec un policier dans la rue. Elle semble très malheureuse. « Que se passe-t-il ? » demande Paul à l'inconnu. Cette femme a perdu son sac à main. Il contenait de l'argent et surtout des souvenirs précieux. « C'est faux !» proteste Paul. « Je me souviens de cette dame. Hier, j'ai retrouvé son sac à main dans une cabine téléphonique et je lui ai rapporté. Toi, tu n'existes pas, mais c'est vrai qu'il faudrait t'inventer. » Devant l'air ébahi de Paul, l'inconnu part d'un rire léger comme un carillon de fête. « Adieu, petit Paul, et n'oublie jamais que ta vie est un trésor. » L'inconnu a disparu. En entrant dans la maison, Paul retrouve la crèche familière au pied du sapin décoré. Sa maman s'avance vers lui pour l'accueillir. Elle a de nouveau son visage jeune et insouciant. « Pardon pour mon humeur de ce matin, bavouille Paul. Ce n'est rien, chérie, j'ai déjà oublié. Ta journée s'est bien passée ? Pas si mal, répond Paul d'un air mystérieux. Je crois que j'ai vu un ange. » Paul ou Jésus qui vient et qui change la face du monde. Mais moi aussi, et vous aussi, et toi aussi, Mathieu, et toi aussi, Gabriel, et toi aussi, Laura, toi aussi, Elijah, nous changeons la face du monde par notre unique présence. Quelle joie! Je vous invite à chanter le dernier cantique de ce matin, « Joie dans le monde ». Il règne sur le monde.
Ce matin, nous allons nous affairer, mettre en place les différentes préparations Noël. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Et je pense que personne ici ne sait trop comment ça va se passer. Mais Liliane va avoir besoin d'aide pour faire remonter le village. C'est ça ? Donc là, on a besoin de bras et de jambes pour pouvoir remonter les escaliers. Eric, c'est toi qui gères le devant, j'imagine ? Tu auras besoin de plusieurs personnes pour monter des bras forts, pour monter les personnages sur le devant de la plateforme. Et puis, il y aura peut-être de quoi cuisiner, pour ceux qui ont moins de force, mais qui veulent quand même participer à cette magnifique odeur, sacrifice de bonnes odeurs ce matin. Ceux qui veulent aussi juste papoter, ben, il y a aussi la place. Et puis il faudra décorer le sapin et on aura peut-être besoin d'instructeurs pour dire plus à gauche, plus à droite. Donc il y aura du travail pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Et puis je pense que ce serait chouette de clôturer ce moment par une petite photo devant le sapin décoré, en mangeant peut-être un biscuit s'ils sont déjà prêts. Donc ne partez pas trop vite, et puis surtout ne partez pas sans avoir fait les échanges des pochettes. Ah, on est quand même aussi venus pour ça, il y en a qui sont venus exclusivement pour ça, qui en parlent depuis toute la semaine, donc il y aura bien des échanges, il y aura bien deux pochettes par personne. Et puis arrivera le dimanche 25, culte de Noël. Pour les courageux, rendez-vous à 10h pour une petite collation partagée ensemble. Et puis à 10h30, on démarrera un culte spécial de Noël, probablement dans le même format que ce matin, un peu intimiste. Ça ne devrait pas être trop long pour permettre aux gens qui ont des invités ou qui sont invités à midi, en famille ou chez des amis.